Les feuilles se colorent sous l'effet des premières gelées et, dans le sous-bois, un long brame se fait entendre. Le brame du cerf à Fontainebleau se passe comme dans toute forêt où le cerf est présent. Ça a été une époque de l'année qui commence tout à la fin d'août, dans les premiers jours de septembre, environ entre 4 et 5 semaines. C'est grâce à cette période de l'année que l'avenir de l'espèce est assuré. Il faut très bien comprendre cet intérêt, cet engouement vis-à-vis de l'écoute de la nature, l'écoute d'un phénomène particulier, parce que les sensations que provoque un cerf bramant, cette espèce de cri rauque est toujours impressionnant. Bon, il y a un côté sensoriel important, puis peut-être un côté un peu sensationnel, et ce que beaucoup de gens actuellement recherchent, cette espèce de sensation un peu extrême que peut être le brame de cerf. Comme chaque automne, le cerf entame sa parade amoureuse et les joutes sonores résonnent dans les massifs forestiers. Mais dans certaines forêts périurbaines, il est tellement dérangé par des touristes, avides de nature, qu'il se fait de plus en plus discret. Il faut dire que cet animal mythique devient la vedette des quotidiens régionaux et des télévisions locales qui incitent les citadins à aller écouter ce brame sans vergogne ni retenue. Les samedis soirs, dans certaines forêts de France, c'est la fête, mais pas pour le roi de la forêt. N'oubliez pas que si le cerf brame, c'est qu'autour de lui, il y a des biches. Et les biches, vous ne les entendrez pas, mais elles vous verront. Et si vous les dérangez, elles partiront. Et le cerf, lui, par conséquence directe, va suivre les biches. Donc, vous allez déranger les animaux. Et après, vous allez en plus perdre la qualité d'audition parce que le cerf s'éloignera et certainement va se taire pendant plusieurs dizaines de minutes. En effet, les amoureux de la nature qui viennent légitimement dans les forêts écouter le brame du cerf ne se doutent pas forcément qu'il faille quelques règles de bon sens. Éviter les parfums, le bruit et bien sûr tout ce qui peut être vu par l'animal. Le massif forestier de Fontainebleau est très fréquenté par les Parisiens. Le cerf est bien présent dans cette région et le brame est très suivi. Alors avec tous ces petits soucis que rencontre le cerf à l'époque du brame, effectivement nous l'ONF qui gérons les forêts domaniales de France et qui sommes donc en devoir de suivre nos populations de grands cervidés, essayons de faire en sorte que les consignes que je l'ai tout à l'heure soient suivies. Donc, sur Fontainebleau notamment, plusieurs organismes, associations naturalistes, organisent des sorties pour l'écoute du brame. De plus, nous effectuons des sorties, nous, nocturnes, soit à titre individuel, professionnel, mais après on peut en faire dans des cadres de surveillance plus général. Ou là, lorsque nous croisons des publics qui sont à l'écoute du brame, si nous remarquons quelques petits détails du style de ce que j'ai énoncé tout à l'heure, nous leur demandons de modifier leur attitude, leur expliquons pourquoi. En général, tout se passe très très bien. L'Office national des forêts fait tout pour endiguer, canaliser et surtout sensibiliser les amateurs venus écouter le brame du cerf. Eh bien voilà un reportage quand même particulièrement instructif sur une situation préoccupante dans nos massifs français. Philippe Vibou, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes chef de rubrique à la Revue nationale de la chasse et vous occupez plus particulièrement de la revue Grand Gibier. Tout à fait. Nous l'avons vu, le cerf, le brame, eh bien, ne laisse personne indifférent. Les gens se rendent en forêt, entre les groupes constitués, les soirées organisées autour du brame. C'est un véritable business qui se dresse. Il y a aussi les visites anarchiques au bord de route. Enfin bref, le cerf aujourd'hui ne peut pas se reproduire vraiment tranquillement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui explique un tel engouement? C'est multifacteur. Il y a d'abord le fait que le cerf est un animal mythique. C'était le gibier préféré des rois. Le cerf, maintenant, a colonisé quasiment tous les départements français, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il y a aussi le fait qu'on a un besoin de retour à la nature de la population qui est relayé par beaucoup de médias. Et donc, le brame du cerf fait partie des sujets qui intéressent les gens. Mais auparavant, ça existait, ce phénomène? Le cerf a toujours été un animal qui représentait au niveau reproduction la virilité. C'est le plus grand de nos cervidés. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il a toujours été un animal phare. Dans certaines forêts périurbaines, comme autour de Dijon, vers Orléans, et même tout autour de Paris, le dérangement est vraiment très important. Qu'est-ce qui se passe sur l'espèce? Le fait de déranger ces places de brame fait que les animaux bougent. Il y a des places de brame qui sont abandonnées. Il y a un phénomène de reproduction qui est
plus discontinue dans le temps, et avec donc un dérangement des animaux qui fait que même si la reproduction se fait, elle se fait... Bien moins bien. Bien, voilà. Ouais. Et de temps en temps, même les cerfs ne brament plus, c'est-à-dire qu'ils ne vocalisent plus, on n'entend plus le brame, ils continuent de se reproduire, voilà. Mais visiblement, tout ce qui est vocaliste, tout ce qui est sonore a disparu pour être plus discret. Or, ce qui intéresse surtout les gens, c'est justement le brame du cerf. Hein. C'est cette voix grave, cette voix qui vient des temps, qui est dans la forêt, et c'est vrai que le brame diminue à ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser pour... encadrer, entre guillemets, ce tourisme nature dans les forêts? C'est un sujet qui est un peu délicat parce que, d'abord, les forêts domaniales sont ouvertes à tout un chacun. On ne peut pas non plus interdire aux gens d'accéder aux brames. Nous, de notre côté, au niveau des médias, nous avons aussi un rôle d'information au niveau du public, d'informer les gens en leur disant justement qu'il peut y avoir donc dérangement des animaux et les conséquences négatives que cela peut avoir. Et qu'est-ce qui est le plus dommageable? C'est quoi? C'est le business autour de ces soirées brames où on vend, il y a des associations qui proposent des soirées contre 5 ou 10 euros. Tout à fait, ça c'est. Ou alors ces écoutes anarchiques où les gens vont un peu n'importe où pour écouter le cerf. Qu'est-ce qui est le plus dommageable? C'est un ensemble en fait. On peut peut-être en profiter pour rappeler aux téléspectateurs que le fait d'éclairer les champs est interdit. Tout à fait. Ça c'est vrai que les gens viennent évidemment en voiture. Et ce qu'il faut savoir et rappeler, c'est que l'éclairage des animaux, même pour les regarder, est interdit par la loi et donc passible d'amende par les agents de l'ONCFS. Quand on aime la nature, je pense qu'il est bien d'abandonner sa voiture le plus loin possible des places de brame. Ça permet de pénétrer dans la forêt, voilà, de s'immerger vraiment dans la nature. Est-ce qu'on a une idée du dérangement également dû par la chasse sur l'espèce cerf pendant le brame? Par exemple, les équipages de vénerie continuent-ils à chasser le cerf pendant le brame? Ou est-ce qu'il y a une mesure qui fait... Certains équipages, maintenant, ne chassent plus pendant le brame. Certaines fédérations de chasseurs, de chasse à tir, ont aussi, je pense en particulier à la Savoie, ont aussi interdit le tir du cerf pendant le brame. Il est évident que toute incursion humaine, quelle qu'elle soit, dans l'espace vital du cerf, est un dérangement. Donc ça, c'est quelque chose d'incontestable. Maintenant, il y a dérangement et dérangement. Je veux dire, il est évident que faire un affût au cerf sur un mirador ou faire une approche en connaissance de cause, ce qui est le cas des chasseurs qui connaissent quand même bien l'espèce et le biotope, c'est quand même beaucoup moins dérangeant que 15 personnes qui avancent en forêt en faisant du bruit, etc., en claquant les portes, en parlant fort, etc. Je terminerai par une anecdote. Un photographe du chasseur français qui m'avait amené au cœur d'une passe de brame, donc on avait pu pénétrer dans l'intimité des cerfs, et donc nous étions dissimulés derrière un petit sapin, et les cerfs se battaient contre nous dans un nuage de poussière. J'étais vraiment pas très rassuré, et le garçon me disait, il suffit de remuer un trousseau de clés, et les cerfs s'enfuient. Voilà. Philippe Bibou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef de rubrique de la Revue Nationale de la Chasse, et responsable du contenu de son trimestriel Grand Gibier. Grand Gibier diffuse combien aujourd'hui? Entre 18 et 20 000 exemplaires. Ah oui, quand même. Donc c'est le premier magazine de chasse des grands animaux en France et à l'étranger. Bien écoutez, je vous souhaite un grand merde, comme le disait Gérald Combrown, parce que c'est une phrase que l'on dit avant la chasse.